T'as choisi chez notre partenaire. Du mal à faire. Acte Sud. Junior. Le livre. Pète. Crocodile. Crocolou. Crocolou. Chez jardinier. Même jardinier. Merci, Chuchu. De bon matin, Crocolou enfile ses bottes, son tablier et sort dans le jardin. C'est qui? Ben c'est Crocolou. Il va dans le jardin pour jardiner. Oui. Oui. C'est un petit renard. Oui. Et on dirait la queue d'un petit renard, c'est son copain. Oui. Eh ben oui. Qu'y a-t-il dans ton panier? Des bonbons? Demande sa petite sœur Marie-Lou. Eh oui, tu vois, t'avais raison. C'est son petit copain. Ah, il mange des graines. Oh là là. Mais non, ça ne se mange pas, répond son frère qui prend une pelle et s'apprête à creuser. Oh, donc il recrache tout. Bah oui, c'est pas des bonbons les graines. Oh regarde, même le renard, il en avait mangé. Une. Allez, on a mangé trois. Allez, on a mangé plusieurs. À ce moment-là, quelqu'un sort la tête des feuilles. C'est Lily la tortue qui s'était enterrée pour hiberner. Sauve-toi, j'aurais pu te faire mal, lui dit Crocolou. On la voit pas. Voilà, elle est là, la tortue. Tu vois, elle est là. Elle a sa tête. Oh. Lily partit, Crocolou se remet au travail quand tout à coup, une famille de vers de terre apparaît. Vous devez déménager, leur annonce Crocolou. Ah oui, là, ils sont pas au bon endroit, les vers de terre. Il s'apprête à creuser de nouveau, mais maintenant, il est obligé de chasser toute une colonie de fourmis. Ah bah, décidément, il n'a pas de chance, Crocolou. Hein. Enfin tranquille, Crocolou peut semer ses petites graines avec l'aide de Marie-Lou. Et donc, il plante des graines pour faire... Des fleurs. Pour que des fleurs apparaissent. Oh, lui, il est assis. Oui, il est assis, il les regarde. Ensuite, il recouvre les graines avec de la terre et va remplir son arrosoir. Jour après jour, Crocolou arrose avec soin ses plantations. Il y a des tomates, des tomates. Un artichaut. Il y a des tomates, des artichauts, un coquelicot. Et lui, est-ce que ça va marcher, ces graines? Est-ce que les fleurs, elles vont pousser? Oui, on ne sait pas. Il n'y a toujours rien, se lamente Marie-Lou. C'est normal, faut attendre hyper longtemps. Un jour, enfin, de petites pousses sortent de terre. Youpi ! S'écrient Crocolou et Marie-Lou. Ah, enfin ça monte. Merci. Peu après, les pousses grandissent et deviennent de grandes fleurs magnifiques au parfum merveilleux. Merveilleux. Oh, elles sont grandes. Hein. Oui. Et lui, le rouge. Et le rouge. Oui, il y en a de toutes les couleurs. T'as vu? Rose, blanc, rose, jaune rouge. Vert, blanc, jaune, marron. En fait, il y a toutes les couleurs. Oui. Oh, tiens, Marie-Lou, les pois de senteur sont celles qui sentent le meilleur, dit Crocolou en jardinier connaisseur. Là, il y en a encore plus. Oh, les tomates, elles sont rouges. Il lui a donné les. Oui. Il lui a donné les pois de senteur. Marie-Lou. Et donc, en tout. Il a planté de l'artichaut, tomate cerise, dahlia, rose, marguerite, pois de senteur, chrysanthème, cosmos, coquelicot, tulipe et tournesol. Des tournesols. Oh, il y a tout ça comme livre dans une collection. Et voilà, alors c'était le livre. Quoi? Bah non, il n'y est pas vu que c'est celui que tu étais en train de présenter. Alors, c'est le livre. Le livre petit. Crocolou. Crocolou, j'aime jardinier. Des éditions Acte Junior. Junior, voilà.